Je suis venu te porter un message. J'étais en train de parler de vous autres. Le jury m'a demandé de Star Academy, m'a demandé de venir t'annoncer que tu vas faire partie des 20 finalistes pour le premier gala. Mais merci, je suis super contente. Aïe, aïe. C'est vraiment cool. Vous êtes ma petite tape dans le dos pour les 3 dernières années assez difficiles, merci. J'ai envie de partir la tête haute aujourd'hui. Emily Hall, j'ai 25 ans et je viens de Tracadie-Shaila au Nouveau-Brunswick. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur exposer mes yeux. Je travaille dans un studio de doublage à Montréal. Alors, quand je reviens au Nouveau-Brunswick, on a un chalet avec la famille où on va toujours un peu se ressourcer. Il y a un silence complet et c'est tellement paisible. Mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix. J'ai un amour pour les oiseaux. J'adore faire de l'observation d'oiseaux. Je pense que les oiseaux sont un peu comme des artistes. Ils ont chacun leur couleur, chacun leur style. Ils volent d'une façon différente, mais ils ont tous le même but. C'est partir pour le sud en hiver. J'ai des belles petites bêtes. J'ai pas eu une enfance facile côté intégration sociale. C'est sûr qu'à l'école, c'était difficile parce que Amélie était plus impulsive, peut-être qu'on dirait, puis ces choses-là. J'ai juste eu un mauvais karma. J'ai pas été chanceuse. Il y a souvent eu des échecs. On s'en souviendra pas de ta première vie, de nos mauvais choix. Mais là, je crois que je suis sur une bonne run. Alors, souris. Elle nous interprète la bohème, mesdames et messieurs, Amélie Hall. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon meurtre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famille et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Au hasard du jour, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier. Non plus rien ne subsiste dans son nouveau décor. Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout. Bravo, Amélie. Merci beaucoup. Te considères-tu comme une bohème? Mettons que j'ai passé les 3 dernières années dans ma voiture pas mal. Mettons que, ouais, je change de place dépendamment où la vie m'emmène, où mon cœur m'emmène, et où la musique m'emmène en général. Alors,
On verra bien. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Écoutez, là, il en reste quatre. Il y en a une qui a été choisie par le jury. Mais j'aimerais ça dire quelque chose à celles qui ne seront pas choisies. Une petite anecdote. 1982, Festival de Tokyo, où Céline a participé et a gagné. Il y avait 1926 auditions. Ils en ont retenu 50. Et des 50, il y en a 24 qui ont été choisis pour performer. Et il y a un artiste qui n'a pas été choisi dans les 24. Et c'est Bryan Adams, qui est devenu une superstar internationale. Alors, pour celles qui n'ont pas été choisies, vous avez gagné déjà, vous avez passé à la télévision devant des millions de personnes. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher. Si vous n'êtes pas choisi, on recommence l'année prochaine. OK? J'avais même mandé à l'accepter mon invitation. Et lorsqu'elle est venue ici au Jump Country, on est tombé en amour avec elle. Et là... Mais moi, je suis tombée en amour avec vous autres aussi. Et là, elle est sur le point de nous présenter un deuxième album. Et vous êtes les privilégiés cet après-midi parce qu'elle nous les fait en primeur ici à l'enjeu. Alors, sans plus tarder, avec toute la bande ici, Sit Down plus, 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 la voici tout en beauté et en talent, Amélie Hall! Benoît Bélanger en direct du Jam Country du bar L'Enjeu pour les entrevues Country sans limite présentées par, en collaboration avec Création, Yvon Thébergé avec la vedette de la journée, mesdames, messieurs, la vedette de la journée, celle qui dégage de l'amour, la belle Acadienne Amélie Hall. Cultiver l'amour, c'est le titre de ce nouvel album, Amélie, hein? Oui, en fait, c'est un nouvel album un peu country et peace and love en même temps. Je pense qu'on avait besoin de beaucoup d'amour. C'est ça, en fait, je traverse tout mon country puis toute mon histoire dans cet album-là. C'est un album de mes compositions qui fait changement du premier, mais avec le même son. C'est une belle suite du premier, je trouve. Ça se ressemble, ça se tient, mais c'est aussi Amélie Hall qui a évolué là-dedans. Vous m'avez ouvert les bras, je suis tombée dans un nouveau marché, du nouveau monde et tout, puis ça m'a vraiment permis de créer un son à moi, puis des chansons à moi, puis je suis vraiment contente. Moi, je veux dire une chose, c'est qu'au moment où l'on se parle, Amélie et moi, elle vient tout juste de terminer son spectacle ici au Jam Country, et quelle belle énergie tu as, et les chansons, tu as fait un beau mélange avec quelques chansons, des reprises, des coups de cœur à toi, mais aussi des nouveautés, puis c'est vraiment une belle énergie, c'est un beau son, un beau country en français, avec des belles compositions qui reflètent bien ta personne, je pense. En fait, moi j'essayais d'avoir le son américain, parce que j'ai grandi avec le country américain, mais c'est dur d'avoir un son américain sans tomber dans le country traditionnel. Mais moi, j'ai 33 ans, je me disais, le country traditionnel, c'est pour les prochains albums. Là, je sentais qu'à 33 ans, oui, je tombe dans un côté plus mature, où oui, j'ai envie de tomber dans du Dolly, du Loretta Lynn, mais faire mes propres chansons, mais dans ces styles-là. Mais avant ça, j'avais besoin de faire cet album-ci, parce que oui, c'est vrai que je pétille d'amour, puis tout. Il y a un an ou deux, j'ai appris à m'aimer, moi, puis j'ai 33 ans, en fait. T'imagines, ça a été une longue route avant d'arriver là, mais j'avais besoin après ça de partager. Quand t'apprends à t'aimer, tu veux partager cet amour-là et cette lumière-là avec les autres. Je pense que ça transparaît dans chaque chanson, dans chaque texte, dans chaque... Amélie, t'es pétillante et tu dégages l'amour. C'est pas pour rien que ça s'appelle cultiver l'amour, hein? Mais c'est vrai que l'amour, ça se cultive. C'est comme un jardin, hein? Tu sais, faut l'arroser, faut lui en donner de l'amour. Si on veut en recevoir, faut en donner. Puis je pense que l'amour, ça commence par soi. Pour aimer les autres, faut s'aimer soi-même. Puis moi, j'ai trouvé ça quand j'ai commencé à arrêter de douter de moi-même puis de m'aimer. Puis je pense que toutes vous autres, vous avez contribué à ça aussi, tu sais, d'arrêter...
Ça fait longtemps que je suis ici toute seule à Montréal à essayer de faire ça, puis je pense que je doutais beaucoup, mais en ce temps, j'ai trouvé une famille, puis j'ai trouvé plein d'affaires pour m'appuyer, puis j'ai appris à m'aimer. Puis ça a tout changé. Ça a changé ma voix, ça a changé mon écriture. Mon son reste similaire. Je suis avec la même équipe que j'aime beaucoup, puis je pense qu'on a un bon album. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, c'est un bon album. Cultiver l'amour, il va être disponible. Bien, il est disponible au moment où on se parle. Il va être disponible sur les plateformes de téléchargement. On a le premier single, qui est le titre de l'album, qui s'appelle « Cultiver l'amour », qui commence dans les radios demain. Donc, et après ça, l'album va être en pré-vente sur iTunes avec le premier single. Et d'ici deux semaines, quand les albums vont être imprimés, là, on va mettre ça sur le marché, puis on lance ça dans l'univers. Okay. On demande à l'univers que ça fonctionne. Oh, ça va bien aller. Et entre-temps, on peut te suivre sur Facebook. Je sais que quelques festivals country, entre autres au Cowboy Fest au mois de juin, tu vas être là. Oui, entre autres au mois de mai aussi, au festival rétro à Saint-Henri. Oui, Saint-Henri de Lévis. Oui, c'est ça. Ça, c'est la fin de semaine, 11-12 mai. Okay. Et puis, tu te promènes un petit peu partout. Oui, on a des enregistrements aussi pour l'amour du country. On a plein d'émissions comme ça, les festivals un peu partout pendant l'été. Puis, elle va dégager l'amour partout sur la planète. Vous pouvez la suivre, Amélie Hall. Tellement charmante et quel beau talent elle possède, cette fille-là. C'est une belle Acadienne. On est heureux de t'accueillir dans la grande famille country, Amélie. Ben moi, je suis contente que vous m'avez ouvert les bras. Ça me touche plus que vous pensez, je pense. On t'aime, Amélie. Cultiver l'amour. Amélie Hall, disponible partout avec des belles compositions, des belles chansons. Suivez-la sur Facebook. Benoît Bélanger au Jam Country, présenté par les créations Yvon Théberge. À la prochaine. Cultiver l'amour. Merci, Amélie. Puis je fais beaucoup de chemin entre Montréal et le Nouveau-Brunswick. Puis vu que je le fais souvent dans l'été, ben j'ai trouvé un petit shortcut entre Saint-Quentin et Bathurst. C'est un chemin qui s'appelle le chemin des ressources. T'as pas de signal, faut que tu mettes du gaz parce que tu fais 130 km dans le bois puis ton téléphone, il marche pas. Tu croises des truckers, des orignals, puis des chasseurs. Moi, je me suis dit, ben, y a personne qui a fait une chanson là-dessus.
Fait que je vous ai écrit ça, c'est sur mon prochain album qui s'en vient, ça s'appelle Le chemin des ressources. Merci! Ah, ben on est déjà en troisième, c'est fou! Bartender Blues! Ah, moi, je suis une petite fille qui a grandi dans le country. Mais le gars qui m'a donné envie de jouer de la guitare, c'est un gars du folk, James Taylor. But James Taylor, c'est un gars comme moi qui aime tous les styles de musique, mais je trouve que c'est vraiment un des meilleurs compositeurs. Puis, il a écrit une chanson qui a été popularisée par George Jones, que j'aime vraiment beaucoup. Voici Bartender Blues. You.
Ouais, on va essayer un petit quelque chose. Tantôt, vous allez avoir la chance d'entendre un de mes amis qui est très talentueux, Tommy Charles. Tommy Charles, si tu veux te joindre à moi pour une chanson. En fait, il est venu me trouver cet avant-midi, puis on s'est trouvé une vieille chanson qu'on aimait bien faire, chacun de notre côté. Moi, avec mes amis au Nouveau-Brunswick, au high school, c'est une chanson que je chantais toujours avec mon high school sweetheart. Puis cet après-midi, Tommy arrive, puis on se met à chanter ça, puis on a dit « Hey, pourquoi qu'on ne l'essaye pas ce soir? » Fait que on va essayer un petit quelque chose intimiste avec notre guitare. Rolling in the dark, middle of the night, taking your heart and holding it tight. Personal touch, touching my skin, asking you to do what you've been. Say is your sweet name. It's your love. Just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. If you wonder about the spell I'm under. To happen by taking your hand. Who I am now is who I wanted to be. Now that we're together, I'm stronger than ever. I'm happy and free. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. It just does something to me. Sends a shock right through me. I can't get enough. If you wonder about the spell I'm under. Stronger than ever, I'm happy and free. Merci. Amélie Hall, mesdames et messieurs. Merci. Bonsoir, bienvenue à la première édition de Célébration Culture Country, ici au Mont-Tremblant et au gala aussi Country, qui sera demain finalement, qui est présenté par le Casino du Mont-Tremblant. Je suis avec la belle et unique Amélie Hall. Amélie, comment ça va? Ça va bien, Jason. Oui. Tu fais partie du spectacle de ce soir acadien. Oui. En fait, on est une gang d'artistes acadiens ce soir qui donne un show deux heures en deux parties. Ça va permettre aux gens de découvrir, en fait, tous les gens de la communauté country du Nouveau-Brunswick, tout d'un coup. Là, ça commence. Mais t'es aussi en nomination dans plusieurs catégories hein, au Gala Country. Oui, en fait, dans trois catégories. Album original de l'année, auteur compositeur de l'année et chanson secante de l'année. Bravo, félicitations. Merci. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Puis surtout, moi aussi, je suis content de te voir. Et surtout, un excellent spectacle ce soir. Yeehaw! Yeehaw!